Famille, quand on vous dit l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir, faut plus douter. Je suis tombée sur une information que Cameroun Web a publiée sur son site, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un média camerounais qui publie des informations et tout ça. Je suis tombée sur une information qui a été publiée par Cameroun Web ce matin, qui démontre par A plus B que l'homme noir, faut s'en méfier. Voilà une Camerounaise qui vit aux États-Unis, influenceuse soi-disant, qui a décidé de dénoncer tous ses frères camerounais. Elle appelle le service d'immigration pour dénoncer ses propres frères, pour leur dire qu'il y a ses frères qui vivent illégalement sur le territoire américain et qu'il faut que l'agence d'immigration fasse quelque chose. Même si on dit que tu manges la chair humaine, là, même si on dit que tu es sorcier, mon frère, ce n'est pas comme ça. Elle appelle pour que le service d'immigration puisse rapatrier ses propres frères camerounais. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Changoum Muriel Amanda et voici ses photos que je fais défiler actuellement. Elle a désa, c'est-à-dire qu'elle a retiré toutes ses photos sur ses réseaux sociaux. Elle a tout enlevé sur ses profils. Elle a tout retiré puis elle a restreint ses comptes pour qu'on ne puisse pas la retrouver facilement. Parce que croyez-moi, actuellement, il y a des audios qui sont en train de sortir. Il y a des audios qui sont en train de circuler partout dans les inbox. Ces audios sont dehors et on l'écoute en train de converser avec le service d'immigration en Californie pour demander à ce qu'on rapatrie tous ces frères camerounais qui vivent illégalement sur le territoire américain. Parce que selon, en tout cas, je vais partager avec vous ici les échanges qui ont été retranscrits par le site Cameroun Web. Donc voilà ici, je vais partager avec vous les paroles de la fille en question, ses échanges avec le service d'immigration au niveau de Californie. Et je vais vous donner mon point de vue juste après cela. Donc écoutez. I don't know. Okay. How do you know them? Oh, I met him like at a social event. And yeah, it's just Okay. like I'm just not comfortable with him being here and like, using somebody else's papers and stuff to work too. Okay. How long have you known of this person? I've known of this person for I met them July 4th, like during that July 4th period, and they told me they were illegal when Well, what? just what the what year? This was July 4th of this year. Oh, so just very recently. Yes, that I found out that they were illegal. Okay. And just circling back a second, you mentioned that they had some sort of citizenship or something in the United Kingdom. I don't think it's a citizenship because I feel like when you're a UK citizen, you can be in the US for like 3 months. I've been to the UK. I know that, they can come in for like, they So don't need maybe they had some sort of visa in the UK? I believe so, but for sure, they are not Okay. authorized to come here. Right. But they're originally born in Cameroon? Yes. Okay. Hold on. All right. And are they currently working at all? Yes, they are working and using somebody's papers. Do they have an alias, like a fake name? I don't know. I just know that the person whose papers you're using, the person's name is like Kendrick A something. I don't remember the full last name. Okay, hold on. Okay. Let's see. Do you know where they're working? I don't know. Okay. Do you know if they're involved in any drugs or gangs? I don't know. They could be. I don't know. Okay, that's fine. I don't expect you to know. Do you know if they possess any firearms or other weapons? I don't know. Okay, that's fine. We ask everybody that. Again, I don't expect everybody or anybody to necessarily know that. And in your own words, why are you choosing to report this person? Because I feel like so many people
I know of people that have been trying to come to America for years. They are following the process and actually applying for visas. They keep spending money. They keep getting denied. They are being patient and everything. It's not fair that this person got to sneak in here. I feel like it's a disrespect to people who are actually taking their time to go through the process. Yeah. Okay. So I will go ahead and get that reported for you. Thank you so much for calling today. And hopefully this call helped you out as well. Yes. Thank you so much. All right. You have a great day. Take care. You too. Take care. Bye-bye. All right. Bye-bye. Quelles sont les adresses? L'agent demande quelles sont leurs adresses. Elle répond, t'as un appartement, on soit là pour ne pas que l'adresse de la personne soit divulguée sur les réseaux sociaux. Après, l'agent demande, connaissez-vous quand est-ce qu'ils sont entrés sur le sol américain? L'argot répond, ils sont arrivés illégalement, l'un en janvier et l'autre en avril par la frontière. L'agent demande, cette année? L'argot dit, oui, cette année. Mais comment ils sont entrés? Elle répond, ils ont dit être passés par le Panama, mais je ne maîtrise pas comment ces choses-là fonctionnent. On demande, sont-ils nombreux? Elle dit, oui, ils sont nombreux par ici. L'agent continue en demandant, ont-ils déjà été expulsés par le passé? Elle dit, je ne sais pas, mais c'est la deuxième fois qu'ils viennent en Amérique. On lui demande, comment tu le sais? Elle dit, je l'ai rencontré à un événement social, puis j'étais pas contente de savoir qu'il utilisait les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler. On dit, combien de temps connais-tu ces personnes? Elle dit, je les ai rencontrés le 4 juillet et ils m'ont dit être illégalement entrés sur le territoire américain. On dit, cette année, elle dit, oui, cette année, le 4 juillet de cette année. C'est ce jour que j'ai su qu'ils étaient des migrants illégaux. L'agent va donc poursuivre en disant, attends. C'est elle qui est née au Cameroun. Je travaillais sur son dossier. Elle dit, oui, madame, c'est lui. Il utilise les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler. L'agent dit, ok, attends. Donc, voilà, en ce moment, l'agent commence à enregistrer des données sur l'ordinateur et tout ça. On lui demande, tu sais où il travaille? Elle dit, non, je ne connais pas. Et l'agent dit, et tes propres mots, dis-moi, en tes propres mots, dis-moi pourquoi tu as fait le choix de les dénoncer. Voilà ce que l'argot répond. Hein. Écoutez très bien. Elle dit, parce que beaucoup de personnes arrivent en Amérique depuis des années et suivent la procédure légale. Ils payent un visa et sont patients. J'ai l'impression que c'est irrespectueux de ne pas respecter la procédure. L'agent dit d'accord et elle répond à l'agent, merci beaucoup. C'est là que la conversation s'arrête. Petite précision avant de continuer dans mon récit, pour ceux qui ne savent pas, son papa, c'est le propriétaire de Serena Palace, hôtel Serena Palace à Douala, Monsieur Samuel Changoum. Sa fille a quitté le Cameroun à l'âge de 18 ans pour se rendre aux États-Unis. Elle a fréquenté à l'université de Washington. Elle est devenue influenceuse de mode. Et donc aujourd'hui, elle a décidé de se retourner contre ses propres frères. Elle a décidé de dénoncer ses frères auprès du service d'immigration en Californie pour que ces derniers soient rapatriés au Cameroun. Selon elle, ça l'insupporte de voir les Camerounais vivre sur le territoire américain illégalement, de voir ses propres frères Camerounais rentrer illégalement sur le territoire américain et d'utiliser les papiers là pour les papiers des autres personnes pour trouver du travail. Pour elle, ça l'insupporte de voir ses frères se débrouiller. Donc, il faut qu'elle mette fin à ça. Mon avis par rapport à cette histoire, peut-être qu'elle ne se doutait pas que les audios allaient sortir un jour. Elle a cru que voilà, elle pouvait agir dans le noir comme ça et que voilà, que le gouvernement américain prenne des mesures contre ces personnes qu'elle dénonce sans que ces audios ne se retrouvent dehors. Mais aujourd'hui, que ces audios sont versés partout, madame a restreint ses comptes sur les réseaux sociaux, elle a supprimé ses photos. En tout cas, elle a peur des représailles. Elle a peur que... Elle connaît les Camerounais et puis elle fait semblant. Elle connaît ses frères et puis elle fait semblant. Elle croyait que ça allait rester caché comme ça. Mais malheureusement pour elle, Dieu a mis son visage, c'est-à-dire Dieu a dévoilé son visage pour déposer sur les réseaux sociaux. On peut être méchante comme ça. On peut être mauvaise, même si tu manges la chair humaine, ma chérie. Ton degré de sorcellerie là me dépasse. Ça veut dire que les gens vont risquer leur vie en route. Il y a plein qui n'arrivent même pas à destination. Il y a plein qui partent hein, en santé, en forme,
mais ils n'arrivent pas à destination. Il y a d'autres là, Dieu les a bénis. Dieu a dit, mon enfant, je te protège. Ta famille compte sur toi. Vas-y, travaille, bosse pour t'occuper de ta famille. C'est pourquoi ils arrivent à destination. Et quand ils arrivent, la vie est tellement difficile, ils n'arrivent pas à avoir le papier directement. Donc, il y a des gens qui ont de bonnes âmes qui leur permettent de travailler avec ces papiers-là. C'est pas que j'encourage l'inégalité. Hein. Je n'encourage pas l'inégalité. Ça dit que quelqu'un arrive sur un territoire et puis il prend les papiers de quelqu'un pour aller travailler. Mais sachez que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne bosses pas, tu ne manges pas. C'est ça, c'est la loi de la nature. Dans la Bible même, il est écrit, l'homme mangera à la sueur de son front. Tu ne peux pas arriver, tu t'assois, tu croises les doigts et tu penses que quelqu'un d'autre va te nourrir. Donc, Lago a vu ça et elle a décidé de dénoncer ses frères. On peut faire ça. Même tu travailles dans le service de renseignement américain, je ne sais pas. De quel droit tu te permets? De quel droit tu te permets? Je ne sais pas, hein. Peut-être que si on a bien fouillé là, peut-être que la Gola a un riz couché avec les migrants. Je ne sais pas. Ou comme elle est déjà américaine, les gars ont déjà détaché son coquille à gauche, à droite. Ça veut dire qu'ils ont frappé zanga, zanga, zanga dans son coquille qu'aujourd'hui là, elle a décidé de se retourner contre eux. Peut-être si on a bien fouillé là, peut-être qu'elle a un riz couché avec ces gens-là, on ne sait pas. Sinon, donnez-moi une motivation valable qui va pousser quelqu'un à se comporter comme ça. Ou alors, elle a été fan de quelqu'un qui est arrivé sur le territoire comme les autres qu'elle vient de dénoncer là. Mais la personne n'a pas calculé. Et ça l'a rendu aigri. Hein? Pourquoi vous n'êtes pas fiers de voir vos propres frères même exceller comme vous? Pourquoi vous n'êtes pas fiers de voir vos propres frères se battre hein, pour réussir dans leur vie? Pourquoi vous n'aimez pas ça? Toi, tu es qui? Tu travailles dans le service de renseignement américain pour venir dénoncer tes propres frères? C'est-à-dire, voilà des gens qui sont arrivés, ils ne sont même pas nés en Amérique. Ils arrivent là et puis ils deviennent plus américains même que les propriétaires du pays. Et ça, ça me désole. À ton loup front devant toi, on dirait pour moi, si ton front, on dirait pas brise de gros porteur là. T'as déjà te permettre. Fallait pas supprimer tes photos. Tu n'as pas dit que tu es courageuse. Parce que pour faire ce que tu viens de faire, il faut être courageuse. Faut être courageuse. Faut assumer. C'est ça. Quand tu peux pas me dire que tu es lâche à ce point. Pourquoi tu as restreint tes comptes? On allait te montrer qui a mis eau dans noix de coco. Faut attendre seulement que tes frères là aient un problème au niveau de Californie là-bas. Faut attendre. Asseyons-nous à terre et puis attendons. Tu vas lire l'heure sur le couvercle de la mamite. Là, tu penses à tout le monde, on s'attaque. Quelqu'un va risquer sa vie pour arriver aux États-Unis et puis toi, tu vas aller dénoncer la personne. Genre, on n'a qu'à le rapatrier pour toi te laisser le pays là, quoi. Si on t'a laissé les États-Unis, on dit, bon, prends. Prends le pays là, reste là-bas avec eux. Tu seras fier. Voyez, tu n'es pas fier de voir tes frères réussir. Tu n'es pas fier de voir tes frères se battre. Mais la raison qui t'a poussé à aller les dénoncer là, un jour, ça va sortir. On a assis ici, non? Un jour, ça va sortir. Il a dit, soit ils ont mangé ton père tout jusqu'à, et puis tu n'as pas gagné un mot dedans. Et puis c'est pour ça que tu es devenu gris. Soit tu as un ramba de. Ça, soit c'est un gourmet. Sinon, je ne vois pas ce qui peut motiver quelqu'un à prendre son téléphone pour appeler le service d'immigration contre ses propres frères. On va les rapatrier, tu seras content, tu vas péter ton champagne, ta vie sera belle. C'est ce que tu veux. Non, mais sérieux. On n'a qu'à se respecter. Ces garçons, ils sont allés se battre pour leur famille. Toi, peut-être tu es né dans une bonne famille où ton téléphone ne sonne pas chaque fin de mois, où on te demande, faut envoyer tant, maman est malade, papa est malade. Peut-être tu es né dans une bonne famille ou bien, ça dit que ton argent, c'est ton argent. Tu n'as pas besoin d'envoyer l'argent au pays tout le temps. Mais sache qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles là. Leur famille compte sur eux. Ils sont obligés de se battre comme ça pour sortir leur famille dans cette situation de famine, tout ça là. Tu ne peux pas leur faire ça. Tu ne peux pas te permettre. Comme je vous ai toujours dit ici, dans mes vidéos, je ne possède pas le monopole du savoir. Mais la personne qui cautionne le comportement de cette fille-là, franchement, je vais le bloquer de ma page. Je vous le dis en toute sincérité. Donc, venez pas me faire la morale par rapport à cette histoire-là. Parce que moi, je ne cautionnerai pas ça aujourd'hui et je ne cautionnerai pas ça demain. Voilà, donnez vos avis en commentaire, mais venez pas cautionner ce genre de comportement-là. S'il vous plaît, pas sur ma page. Sur ce, pour celles qui sont intéressées par les perruques, machin, truc-là, on appelle ça pas glouless. Les perruques comportent sans colle là. Voilà ça sur ma tête. Et puis ça déjà. Il n'y a pas de colle.
Voilà, la perruque là, elle coûte 120 euros. Si tu la veux déjà customisée comme ça, voilà. J'emballe ton colis et j'envoie. Je n'ai que 3 pièces de cette perruque là. 120 euros. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça peut prendre la teinture, ça prend le fer. Et puis, il y a des perruques afro aussi qui sont disponibles. Si ça vous intéresse, écrivez-moi au numéro qui s'affiche juste là. À bas les sorciers, c'est de ça qu'il s'agit. Laissez nos frères aussi se débrouiller. Laissez nos frères se chercher. L'Amérique, là, ça ne vous appartient pas. Si vous êtes trop fâchés, là, dégagez et puis rentrez au Cameroun. Laissez-les là-bas. Laissez-les se débrouiller. Parce que vous avez déjà tout, apparemment. Vous avez tout dans votre vie. Vous êtes épanoui. Vous n'avez plus besoin de quelque chose.